Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romuald Corrèze. Nous allons voir cette fois-ci comment faire des rollovers avec Excel. Nous allons voir deux méthodes pour faire des rollovers. Alors, nous allons distinguer ces deux méthodes par le fait que on fait des rollovers sur des liens texte, comme ici. Comme ceci, ici ce sont des simples cellules. Vous voyez, ce sont des simples cellules sur lesquelles il y a un texte et nous faisons des rollovers sur ces textes. Et nous allons voir aussi comment faire des rollovers sur des shapes, c'est-à-dire des formes. Voici ici, vous voyez, il y a le smiley qui apparaît lorsque je survole le mot appréciation. Et appréciation ici, c'est une shape. Bien, alors bon, on a vu l'essentiel ici, donc il s'agit juste d'afficher un smiley, une autre figure ou un graphique, hein, ça pourrait très bien être un graphique également. Et ici, nous affichons donc des graphiques qui ont des données différentes suivant les villes qui nous intéressent. Ici, il y a le graphique pour toute la France, pour pouvoir contrôler les valeurs, mais bon, il n'y a pas de souci, c'est bien les mêmes données. Voilà, bien, on va voir tout de suite comment ça se passe au niveau du code. Bien, alors nous allons commencer donc par le petit smiley qui avait ici. Je viens de l'effacer pour tout recommencer. Voilà, je viens donc dans développeur, je viens pour insérer un label de contrôle ActiveX, par exemple, comme ceci. Donc ici, je vais le nommer, par exemple, montrer. Montrer. Alors, voyons, on va rentrer dedans. Propriété, objet intitulé édition. Voilà. Alors, montrer le smiley. Voilà. Je vais donc venir sur la macro, sur Mouse Move. Voilà, ça on peut effacer. Bien, alors que va-t-on faire? Lorsqu'on va bouger la souris au-dessus donc de cette forme, hein, de ce label, nous allons afficher le smiley. Sheets 1. Et on va s'occuper des shapes. La shape qu'on va appeler smiley. Smiley, voilà. Et on va le mettre son visible. A égale true. Voilà, comme ceci. Alors pour l'instant, ça va pas fonctionner évidemment, puisque j'ai toujours pas fait le smiley. Donc ça, il va falloir que je fasse cette forme. Évidemment, il n'est pas affiché, on l'affichera tout à l'heure. Donc je vais créer le smiley. Voilà, donc insérer. Insérer forme, je crois qu'il y a des smileys tout faits, voilà. Et le smiley, je vais le mettre ici par exemple. Voilà. On va le mettre plutôt en jaune. Avec des contours. Bon, voilà, là il est bien visible, il n'y a pas de souci. Et on va l'appeler smiley. Smiley, voilà, comme ceci. Voilà, on le montre ici, c'est bien. Donc, on sait le faire apparaître, mais on ne sait pas le faire disparaître. On va voir comment on fait tout de suite. Pour mieux visualiser le label 1, qui est ici, je vais tout simplement le colorier. Alors, on fait tout simplement un clic droit. Et on vient dans Propriétés, ici. Et on va sur Backcolor, on va le mettre en vert. Et maintenant, je vais lui affecter une macro. On va faire la même chose avec un autre label. Alors donc je viens ici à insérer encore un label ActiveX. Je vais faire légèrement plus grand, nettement plus grand même on va dire. Voilà, à peu près comme ceci. Voilà, c'est le label 2. Alors je vais tout de suite lui donner dans les propriétés une autre couleur, comme ça on le distinguera mieux. Donc le premier était vert.
fuchsia, comme ça, ça sera très clair. En dessous, le premier label. Alors, comment faire? On vient dans ordre et on le met en arrière-plan. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, le label qui sert à montrer le smiley est par-dessus le label qui sert à le cacher, qui va servir à le cacher. Alors, tant que je l'ai sélectionné, on va faire ce qu'il faut pour le cacher, pour cacher le smiley. Donc, voici un petit clic droit. Voilà. Et on vient sur visualiser le code, par exemple. Alors, de la même façon, ça n'est pas sur le clic qu'on va agir, mais sur le survol, donc mouse move. On vient ici, mouse move, c'est ici. Ça, on peut le supprimer. Et on va faire à peu près la même chose. D'ailleurs, on va faire un copier-coller que pour le label vert, label 1. On fait un copier-coller. Mais ici, ce sera un false qu'il y aura. False. Voilà. Bien, on peut voir tout de suite comment ça fonctionne. Allez, je ferme ça. Voilà, donc là ça l'enlève, ici ça le met, là ça l'enlève. Donc là vous comprenez bien que grâce aux deux petites macros que j'ai fait, d'une seule ligne chacune, le cadre vert ici, le label 2, hein, enlève au survol, enlève le smiley qui est ici, et quand on arrive sur le label vert, le label 1, ça affiche le smiley. Alors, tenez pas compte de celui-là, hein. Voilà, ici ça l'enlève, ici ça le met. Et donc quand je ressors du label vert, je suis obligé de passer par le label rose qui va enlever le smiley. Voilà, vous voyez. Donc là ça l'enlève et là ça le met sur le vert quand je suis sur le vert. Voilà, donc ça donne un mouvement naturel qui fait que ça donne une vraie impression de rollover qui affiche ou qui enlève le smiley. Alors évidemment il y en a deux, hein. Il y a un label qui enlève, il y a un label qui affiche le smiley. Maintenant pour donner une meilleure impression, je vais m'occuper en mode création du label 2, le label rose, c'est celui qui enlève, et je vais le mettre en transparence, au lieu de lui laisser cette couleur, je vais lui donner de la transparence, donc on met bien un label 2. Back color, la transparence, en fait je vais me contenter de mettre comme ceci en blanc, la même couleur que le fond de la page. Et il doit bien avoir des contours, border style, non, il n'y en a pas, donc ça devrait être bon. Voilà. Et là, bien évidemment, si je reviens, alors si je sors du mode création, lorsque je viens survoler le label vert, voilà, ça l'affiche, et lorsque je ressors, ça l'enlève. On a une vraie impression de rollover. Voilà, donc c'est tout simple, vous avez vu, ça fonctionne avec deux petites macros minuscules. Alors je vais faire un petit défense, voilà. Alors ici c'est le label 1, c'est-à-dire celui-ci, hein, le vert. Il suffit de mettre le visible en true, et ça fonctionne. Et donc pour enlever le label 2, c'est-à-dire le rose que j'ai mis maintenant en blanc pour ne plus le voir, il suffit de le mettre à false. Voilà, deux petites lignes de code et vous avez un rollover sans problème. Ça marche très très bien. Voilà, voilà. Bien, donc ça c'est un premier type de rollover. C'est le plus simple, hein, je crois. Alors pour réaliser ces graphiques, je vais vous tout vous montrer. Ici j'ai simplement caché par la couleur la base de données et évidemment le petit tableau qui sert de calcul. Donc je vais remettre toute l'écriture en automatique. Voilà, ici nous avons la base de données, c'est une petite base de données, vous le voyez, où nous avons ici des villes, pardon, ici nous avons des villes. Ici, nous avons des matières premières, on va dire. Et ici, nous avons des quantités. Donc, je me suis servi de tout ça pour créer ce deuxième tableau. Ce deuxième tableau où on retrouve une seule ville à la fois.
on va dire. Et c'est avec ce tableau qu'on fait ce cet histogramme, celui-ci étant fait évidemment avec toutes ces données-là. D'accord? Et celui-ci, c'est celui qui nous intéresse, c'est le graphique dynamique qui réagit au survol et non pas au clic ou au bouton radio. Il est fait avec celui-ci. Alors comment fait-on? Je vais vous montrer ça. Ce qu'il faut, c'est survoler ces noms de villes qui sont repris d'ici. Ils viennent d'ici. Donc tous ces noms de villes, je les ai mis ici. Et ce que je veux, c'est que lorsqu'on survole ces villes, ces noms de villes, la ville survolée, le nom de ville survolée prenne un fond de couleur distinct, de façon à savoir quelle ville on est en train de survoler. Et surtout, à chaque fois qu'on survole un nom de ville, ce nom de ville vient de se mettre ici, se positionner ici, avec les données qui correspondent à cette ville-là. Par exemple, dernièrement, j'ai survolé Neuilly. Bon, là, ça ne fonctionne plus puisque j'ai supprimé la macro, la fonction qui sert à ça. Mais Neuilly, vous voyez bien qu'on a, on a bien ces données-là. 75, 35, 90, 160 et 210 que nous retrouvons ici. Alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec une petite fonction justement que je vais vous montrer. Alors tout d'abord, puisque le calcul se fait à partir du nom de la ville qu'on a survolé ici et que ce nom doit se placer ici, je vais vous montrer ce qu'il faut faire au préalable. On va renommer cette cellule O2 ici en RefCell. Bon, ça je ne l'ai pas effacé, donc référence cellule. Vous voyez ici comment c'est écrit. REF underscore CE2L. Et à partir de là, je vais créer une fonction, donc Alt F11. La fonction, je vais la mettre dans le module public function, que je vais appeler valcell, valeur de la cellule évidemment. Et cette fonction, ben, elle fera appel donc au nom de la cellule, nom cell, qui évidemment sera un range. Voici. Alors que doit faire donc cette cellule que j'ai nommée refcell, référence cellule? Eh bien, et là donc je fais ce qu'il faut, donc c'est-à-dire que mon O2 ici, la cellule O2 que j'ai appelée ref underscore cell, va prendre la valeur donc de non cellule point value. Voilà. Déjà on va voir comment ça fonctionne ça. Je vais maintenant survoler ma liste de villes que j'ai ici. Et cette cellule, donc, refcell, va prendre la valeur de la cellule que je survole. Ici, c'est Neuilly, il n'y a pas de souci. O2, c'est-à-dire refcell, est à Neuilly. Si je viens sur Toulouse, refcell, la cellule refcell, c'est-à-dire O2, prend le nom de Toulouse. Si je viens sur Lyon, ça prend le nom de Lyon. Si je viens sur Lille, c'est Lille, etc. Nice, ça marche parfaitement, il n'y a pas de souci. Alors, il y a une chose que je n'ai pas effacée, c'est la façon dont, évidemment, on change de couleur ici. Donc, je vais vous le montrer. En fait, il s'agit de mise en forme conditionnelle, donc qui va de G11 jusqu'à G17. Alors, puisque je ne l'ai pas effacé, ça veut dire que je l'ai ici. Donc, je viens à gérer les règles de mise en forme conditionnelle. Alors c'est pas sur la sélection actuelle, c'est sur la feuille de calcul, et voilà. Donc, alors, la valeur de la cellule O2, donc O2 c'est ici, c'est bien refcell. O2, on le met donc en fond bleu avec une écriture noire, ça s'applique à G11 jusqu'à G17. Donc de G11 ici jusqu'à G17. Voilà la mise en forme conditionnelle. Voilà pourquoi donc c'est en fond bleu de G11 jusqu'à G17, tout simplement sa mise en forme conditionnelle.
Bien, alors ça fonctionne bien. Et vous n'avez pas vu comment j'ai fait pour faire en sorte que ça affiche également le graphique qui correspond à la ville. Puisqu'ici j'ai Toulouse, donc ça affiche le graphique de Toulouse. Si je vais à Nantes, évidemment, ça affiche les valeurs de Nantes. Pour Lille, c'est pareil. Pour Nice, Strasbourg, enfin bref, pour toutes les villes, ça fonctionne très bien. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Vous allez voir que ça va être très vite fait. En plus de nommer, de mettre le nom de la cellule, je vais rajouter une petite fonction, sheets 1, puisqu'on est sur la feuille 1. On va voir sur les shapes. Et dans les shapes, je sais que mon graphique s'appelle graphic12. Graphique 12 point visible égale true. Voilà, vous voyez que c'est extrêmement simple. Et avec ça, j'obtiens ce résultat. Vous voyez, ça bouge très rapidement, c'est instantané en fait. Et vous voyez que ça donne très très bon effet puisque sur un simple survol, vous avez le graphique qui correspond à la ville que vous avez survolée, et tout ça grâce aux données que vous avez ici. Alors ici, donc, ça fonctionne avec la fonction justement que j'ai créée, que je vous ai montrée, qui est dans le module ici, public function, donc Velcel, et ça prend donc ce que je viens de vous montrer. Ça a d'une part la cellule refcel, c'est-à-dire O2 prend la valeur du lien survolé, et évidemment le s'affiche également le graphique. Maintenant les valeurs, comment ça fonctionne? Tout simplement, je me suis pas embêté, j'ai pris la vieille fonction bdélire que vous avez ici. Alors comment ça fonctionne? Je vous montre ça tout de suite. Donc j'efface. Ça fait bdélire. Bdélire, donc allez, un problème, c'est pas délire, c'est BD et lire. Voilà, alors il réclame la base de données, donc la base de données c'est celle-ci, point virgule. Ensuite il réclame le champ, ça va être plastique par exemple. Et ensuite il veut les critères, et bien les critères ce sera que la ville soit Toulouse. Voilà. Et je fais entrer. Et donc, ça donne 76. Toulouse a fait 76 en plastique. Voilà. Plastique Toulouse, 76, c'est bien ça. Et comme, vous voyez que ici, on a en critère O1, O2, c'est-à-dire O1, c'est ville, c'est un libellé, et O2, c'est notre fameuse refcel. Cette refcel change à chaque fois. Donc, à chaque fois, on a des résultats différents. Ensuite, je fais un recopie vers la droite, après avoir fait évidemment des petits F4 pour voir mes dollars, parce que ça ne bouge pas. P1, ça bouge, puisqu'ici ce sera Q1. Et les critères, eh bien, ça bouge pas, donc je mets aussi des petits dollars avec F4. Voilà. Et ensuite, je peux faire mon recopie vers la droite. Vous voyez que chaque cellule ici a exactement la même fonction. Voilà donc comment ça se passe. Ici, c'est simplement avec deux labels qu'on affiche et qu'on enlève donc notre smiley. Et ici, on fait évidemment des survols sur les villes. Ici j'ai recopié simplement cette liste de villes, je l'ai mise ici, et évidemment ensuite la fonction fait le reste. Alors bien sûr, pour que cette fonction fonctionne, hein, la fonction donc Valcel qui est ici, la fonction que j'ai créée, on a le nom de la cellule, c'est ici, c'est Refcel. Par contre, Valcel, je ne vous l'ai pas encore montré, où est-ce qu'elle agissait. Alors elle agissait évidemment sur
sur cette colonne de liste, cette liste de villes, je veux dire, et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc la fonction, on l'appelle, elle est ici. Comment on l'appelle? Alors c'est simple, je viens dessus. Quand je viens sur l'une de ces villes, j'ai cette fonction-là, deux fonctions, trois fonctions imbriquées. J'ai ma première fonction qui est ici, valcel, donc il va chercher H3. Pourquoi H3? Parce que ici il y avait Toulouse, donc Toulouse est ici, c'est en H3. Donc il prend la valeur de H3, c'est-à-dire Toulouse, et vient la mettre ici. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Lorsqu'on survole Toulouse, il va chercher dans H3. H3 est écrit Toulouse, et donc il vient ici mettre Toulouse dans refcel. Bien. Alors pourquoi je n'ai pas laissé juste ça? Je vais vous montrer. Égal valcel. Valcel H3. H3. Alors pourquoi valeur? Je vais vous montrer. D'une part, il n'y a pas de lien hypertexte. Donc, on va reprendre. On va mettre cette fonction dans lien hypertexte. Voilà. Et ça va toujours pas. Par contre, j'ai un lien hypertexte. Vous voyez, c'est souligné. Et puis j'ai le pointeur qui se transforme en main. Donc c'est bien un lien hypertexte ici. Mais j'ai toujours une erreur. Alors je vais rajouter une fonction à ces deux fonctions imbriquées, à savoir si erreur. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'erreur, donc on prend la valeur grâce à valcel de H3, c'est-à-dire Toulouse. Sinon, on prend quand même H3. Oui, j'ai pas tapé le R ici. Et personne ne me dit rien. Voilà. Donc si je ne fais pas de faute de frappe, en rajoutant, en imbriquant à nouveau la fonction si erreur, on voit que j'ai bien Toulouse ici. Et ça fonctionne. Donc je vais mettre sur Lyon par exemple. Lyon, j'ai bien Lyon parce que de la même façon que pour Toulouse, ici cette cellule, lorsqu'on la survole, la cellule de Lyon, elle vient chercher Lyon dans cette liste. Donc la fonction valcel récupère le nom de Lyon qu'il vient placer ici. Et bien ici, vu que j'ai un lien hypertexte, lorsque je survole, je viens sur Toulouse. Valcel vient chercher le nom de Toulouse, qui vient placer ici dans refcel. Et ensuite, grâce à mes délires, j'ai toutes les données de Toulouse ici. Hein. Voilà comment ça fonctionne. Cette fonction valcel, elle est récupérée ici. Grâce à lien hypertexte, évidemment, pour qu'on puisse survoler et que ça réagisse. Et si erreur, parce que sinon j'ai un message d'erreur. Donc si je le supprime, il y a la même chose ici et sur toutes les autres cellules. Pour que ce soit plus discret, je pourrais masquer les lignes. Bon, moi je me contente de mettre tout ça en blanc. Voilà, comme ça, ça masque toutes les données. Et j'ai mes graphiques qui sont à peu près centrés. Donc voilà comment on fait pour avoir deux méthodes hein, de survol, de rollover. Évidemment, là, je montre un smiley. Je pourrais très bien montrer tout à fait autre chose, un graphique. C'est simplement pour l'exemple. Donc voilà la première méthode pour faire des survols. En fait, j'ai deux formes. Une qui montre évidemment ce que j'ai à montrer, ici c'est le smiley, et une en dessous, qui est placée en dessous, que j'ai mise en blanc maintenant, mais vous vous souvenez qu'elle fait le tour là, et qui le cache. Donc ça donne un très bon effet de rollover. Et l'autre méthode, c'est avec le texte. Hein. Donc avec le texte, on utilise des liens hypertexte que l'on retrouve ici dans la barre de fonction, lien hypertexte. Avec ma petite fonction qui d'une part donne à la cellule O2, c'est-à-dire refcel, la valeur du nom de la cellule. Le nom de la cellule ici c'est Neuilly, donc maintenant O2 s'appelle Neuilly. Et en plus,
Ça affiche mon petit graphique, le graphique 12 chez moi, qui est en true. Voilà, donc à chaque fois que je change ici, le graphique change. Et mon nom de cellule O2 là, qui s'appelle RefCell change aussi, il prend le nom de Lyon, qui permet d'avoir le graphique de Lyon ici. Neuilly, Toulouse, etc. Voilà, donc deux petites solutions très simples. Vous avez vu que c'est pas très compliqué. Beaucoup de personnes m'avaient demandé de faire des rollovers. Hein. Alors voilà comment. Il y a d'autres méthodes, mais voilà deux méthodes simples pour en faire et qui sont finalement assez rapides. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez avoir d'autres tutoriels, eh bien vous allez sur YouTube, vous tapez Romuald Corrèze, voilà, comme ceci, moi j'ai déjà là, comme ceci, et vous tombez là-dessus, vous cliquez, et vous êtes sur ma chaîne. Voilà, ça c'est la chaîne Romuald Corrèze, où vous avez plus d'une centaine de tutoriels, vidéos, ici vous avez les principaux, mais vous avez tous ici, et donc il y en a plus d'une centaine, je ne sais plus exactement combien, plus d'une centaine de vidéos qui sont classées d'ailleurs par playlist. Vous avez des playlists, des tutoriels dont sur Excel VBA, sur Word, sur PHP MySQL pour la programmation web, HTML, CSS, Excel tout court sans VBA, et aussi sur l'utilisation de Windows, l'utilisation minimale hein, pour bien s'en servir. En dehors de ces tutoriels, je donne des cours qui sont beaucoup plus approfondis sur toutes ces disciplines-là. Donc, si vous êtes intéressé, que vous êtes sérieux, eh bien contactez-moi et on se mettra d'accord pour la formation de votre choix. En attendant, bah, écoutez, je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel. Merci et à bientôt.